Yo les gars, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Ouais, ça va super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Fortnite où on va voir un nouveau glitch XP. Vous allez voir qu'il rapporte pas mal d'XP. Comme d'habitude, si vous n'avez pas beaucoup d'XP, c'est tout à fait normal. C'est que vous avez atteint votre limite d'XP, donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc du coup, avant de commencer le glitch, pour tous ceux qui veulent que je les alte en ami, n'hésitez pas à mettre votre pseudo dans l'espace commentaire. Et parmi tous les pseudos qu'il y aura dans l'espace commentaire, j'en sélectionnerai quelques-uns. Puis je les ajouterai en ami après la vidéo. Donc voilà, surveillez bien vos demandes d'amis au cas où je vous demande en ami. Donc du coup, pour le glitch, vraiment, vous allez voir que c'est vraiment très facile. Donc la map, voilà, je la présente plus, hein, on la connaît vraiment à force. On la fait vraiment tous les jours. Donc le code de la map, c'est 47 18 22 54 28 13. Donc une fois que vous avez noté le code, vous pouvez rentrer dans la map et vous pouvez directement lancer le jeu. Donc, vraiment, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Voilà, donc une fois qu'on est ici, donc là on attend que ça commence. Et là ce qu'on va faire, donc comme d'habitude, on peut lâcher nos armes principales, voilà, puisqu'elles vont nous servir à rien. Et on va aller prendre deux pistolets laser, puisque voilà, c'est les armes qui fonctionnent le mieux pour faire le glitch. Donc vraiment, vous allez voir que c'est très facile. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre au code créateur. Alors j'en profite pour faire ma pub, pour tous ceux qui veulent me soutenir dans la boutique d'objets, n'hésitez pas à mettre mon code créateur. Voilà, ça me fera extrêmement plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. Donc merci à tous ceux qui le mettront, ça fait plaisir. Donc du coup, une fois qu'on est ici, voilà, ce que vous allez faire, c'est que derrière le code créateur, vous allez mettre deux sols. Donc là, un et deux, voilà. Et une fois que vous avez mis les deux sols, vous allez regarder donc dans cette direction. Donc voilà, vers la droite, du coup, quand vous êtes en face comme ça. Et là, vous allez mettre, voilà, un escalier au-dessus. Et là, vous allez en remettre sept autres. Voilà, donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6... et 7, et là on va mettre 3 sols. Donc là, 1, 2, 3. Voilà, là vous voyez les particules bleues, on arrive. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un sol juste sur la droite. Voilà, quand vous arrivez ici, comme ça. Vous allez voir, c'est très important. Donc là, ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire deux émotes. Donc là, première émote, deuxième émote. C'est très important pour activer le bouton. Et là, vous voyez qu'on peut interagir. Donc là, vous faites interagir. Voilà, vous spammez pour être sûr que ça s'active. Une fois que c'est fait, on peut tout simplement, voilà, tirer dans les murs invisibles, donc qui se trouvent là, là et là. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai dit en fait de mettre un sol ici, parce qu'en fait si vous vous trouvez ici, bah, ça va prendre que ce mur ici, vous ne pourrez pas tirer sur les deux qui se trouvent juste ici et ici. Donc voilà, c'est vraiment très important, mettez-vous bien à cet endroit, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là on va vérifier combien on a d'XP. Donc là je suis niveau 20 avec 2000 XP restants, donc on va dire qu'on est au niveau 21, vraiment au tout début du niveau 21, puisque voilà, il reste que 2000 XP. Donc là voilà, je vais tirer sur les murs et on se retrouve du coup là quand on va... Donc on va voir combien on gagne d'XP. Donc là voilà, on continue, on va spammer. Donc déjà vous voyez 9000 XP, hein, c'est assez énorme. Voilà, donc là on spam, voilà. Vraiment, on va voir combien on a d'XP, donc j'espère qu'on va gagner beaucoup. Mais déjà quand je vois 9000 XP, je pense qu'on va gagner beaucoup. Donc vraiment, voilà, profitez-en. Hein. Donc vous voyez version 60, donc si vous voyez que vous êtes sur la version 61, bah, c'est que ça a été patché tout simplement. Donc là je vais mettre pause, on va voir combien j'ai gagné d'XP. Donc là vous voyez, je suis niveau 23, donc j'étais niveau 20, donc à la toute fin. Là je suis niveau 23, donc j'ai passé 3 levels. Donc vraiment, vous voyez que c'est super rentable. Donc vraiment là je pense qu'on va plus gagner d'XP. Donc là retenez bien 35000 XP. Donc là on va essayer de le refaire. Voilà, donc là on tire donc sur les trois murs comme je vous ai dit. Donc voilà, là on tire tout simplement, comme ça on gagne de l'XP. Alors est-ce que j'en ai gagné? Non, donc là je gagne plus. Alors pourquoi je vous ai dit de mettre du coup le sol ici? Parce que regardez, si vous, voilà, vous voyez que ça passe pas à travers. Vous voyez, donc sinon le mur là ne va pas prendre. C'est comme si vous vous mettez là, mais que vous voulez tirer donc sur les murs à côté, bah, ça va pas aller, puisque ça va prendre que un seul mur. Donc là vraiment, c'est très important, comme ça vous pouvez tirer sur les trois murs qui se trouvent ici. Vous voyez vraiment, là ça fonctionne. Vous voyez que là, on gagne plus d'XP. Donc si vous gagnez plus du tout d'XP, ce que vous allez faire, c'est que tout simplement vous allez retourner à l'accueil. Donc voilà, c'est très important si vous voulez continuer à gagner de l'XP. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans la map. Là voilà, on y retourne tranquillement, on lance le jeu, tout simplement, voilà. Donc là, comme tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Bah d'ailleurs, on y est tout de suite, voilà. Là, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on lâche nos armes, puisque celles-là ne sont pas assez rapides pour faire le glitch, et on va aller récupérer le pistolet en double exemplaire, voilà. Donc on en a pris deux. Et là, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va au code créateur, voilà. On met les deux sols, et là, on va mettre 8 escaliers à partir de celui-ci. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... et 8, voilà. Et là, vous allez mettre 3 sols, voilà. Et là, vous mettez le sol à droite pour être au bon endroit. Donc là, vraiment, voilà, vous faites les deux émotes, tout simplement. Voilà, donc là, on interagit, on spam pour être sûr. Donc là, vous voyez, tout l'XP va s'afficher. Voilà, 2000 XP. Voilà, là, on va récupérer 75 000, du coup, normalement. Voilà, 75 000. Donc vous voyez que c'est assez énorme. Hein. Le glitch, il rapporte vraiment beaucoup d'XP. Et là, je pense qu'on va refaire 75 000, étant donné que je suis niveau 23.
Voilà, 75 000, donc ça fait vraiment beaucoup d'XP, hein, vous voyez que vraiment à force on gagne énormément d'XP. Et là, voilà, un petit peu d'XP en plus, 39 000, donc vraiment c'est énorme. Donc si vous faites le calcul, j'ai quasiment gagné 200 000 XP. Donc vraiment profitez-en, voilà, parce que ce glitch risque d'être patché très rapidement. Donc là, une fois que je l'ai spammé, du coup, voilà, on va regarder, j'ai 35 000 XP. Donc là, on va essayer de le refaire, mais je pense que ma limite d'XP, forcément, elle va être atteinte. Vous voyez que là, je gagne que 280. Donc là, forcément, la limite d'XP, bon, elle a été atteinte, hein, c'est vraiment normal. Il n'y avait aucun doute hein, là-dessus, de toute façon, c'est tout à fait normal. Donc voilà, vous inquiétez pas, hein, si vous aussi vous gagnez plus du tout d'XP, c'est tout à fait normal, hein, vraiment, c'est que vous avez atteint votre limite d'XP et que vous ne pouvez pas faire autrement, puisque voilà, la limite, elle est rentrée en jeu. Donc là, vous voyez, j'étais à 35 000, je suis à 18 000, donc vous voyez que ça s'est bien calmé au niveau de l'XP. Donc là, il faudra attendre du coup le lendemain pour regagner de l'XP, étant donné que là, ce compte, bah, il est complètement plein niveau XP, je ne peux plus en gagner. Donc voilà, vraiment, vous voyez qu'il fonctionne très bien le glitch, donc profitez-en. Et là, je répète encore, hein, donc c'est 8 escaliers en partant d'ici. Donc une fois que vous avez mis celle-là, parce que tout à l'heure, j'ai dit 7 escaliers, c'est quand vous avez mis celle-là. Là, vous en remettez 7 et après, vous arrivez au bon endroit. Mais sinon, c'est 8 escaliers au total et ensuite, vous faites les 3 sols. Donc comme vous voyez, là-bas, il y en a 3 et celui à droite. Comme ça, vous êtes au bon endroit pour tirer sur les 3 murs invisibles qui se trouvent là-haut. Donc voilà. En tout cas, si le glitch vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Nous, on va se retrouver du coup pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye.